Seigneur, Tifounette souffre entre les mains des Africains. Oh Seigneur, Même ses propres sœurs, on dit quoi? Ses propres frères et sœurs ont commencé à l'insulter en plein live. Après tout ce qui s'est passé, après la soirée des TikTokers, vous connaissez. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent cette histoire des Tifounettes, non? Après la soirée là, des jeunes TikTokers africains, et puis après cette histoire entre elle et Antala, cette histoire entre elle et Fatou, mais oui, elle et Fatou maintenant ont de bonnes relations, hein, voilà. Donc ça, on ne peut pas entrer, c'est une chose qui est très bon. Voilà, donc on va suivre ce live ici. Oh Seigneur Jésus. Et il y a une fille qui est montée justement à la fin. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va suivre ce live. Tifounette a souffert. Nos frères aussi, vous aussi. Aïe, nos frères africains aussi. Seigneur. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez à ce moment, on vous envoie vos salutations, mais une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Salutations aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, ce vous-là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification et de mettre la page, de partager aussi, de commenter nos vidéos très gentiment. Alors, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la, on va suivre ces lives, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo. Eh ben reste en fantôme alors. Dose vieille morue. Ah ben voilà, au moins c'est bien écrit, tu vois. Et je vais pas doser, hein, parce que tu es un petit cafard et les petits cafards, on les écrase. Voilà. Et si tu commentes encore, je peux te bloquer parce que ici c'est la dictature, c'est mon live. Tu vois? Donc dorénavant, quand tu commentes bien, sinon tu vas te faire bloquer. Voilà, je préviens. Alors tu vois, bon Ira, autant tu peux me clasher moi, autant là tu touches pas à mes abonnés. T'as vu? Ta tête comme le marteau, ta tête vilaine que t'assumes même pas là, tu mets ta main devant la caméra parce que t'es moche. Tu es vilaine. Vilaine, ta maman t'a bercé trop près du mur. Quitte-la! Bisous. Allez, dehors. Coucou cheval de berger. Bon Ira est partie, ça sert à rien de lui répondre les gars. Autant moi, tu peux m'attaquer, ça me fait rien, je te réponds. Par contre, là, tu touches pas à mes gens dans mes commentaires. Ça, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a 12 ans. Il vient ici, là, faire son malin. Brutier comme ça. Qui va toucher à ma communauté? Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, non? Non, Kali. C'est avec le fil des ongles. La caméra, s'il te plaît. Ok. Je vous ai dit, non, ils viennent tous comme ça. Pourquoi? Ça va? Bonsoir, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Ah, Dieu, merci. Tu viens de faire quoi comme ça? Bah, un live. Hein? Un live. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Comment tu as entendu? Ok, merci. Un live. Merci. Ok. Et les chasses de lèvres sur nos wikis. Tout laisse. J'ai peur de parler ou quoi? Mais c'est toi qui montes. T'as des choses à dire, non? Ah, comment je vais dire pourquoi tu as posé ton live là? Ou bien Salut. j'ai qu'à demander ce nom. J'ai pas cette vertu. Tu dis? Hein? Normalement, tu as posé le live comme ça là. Normalement, tu dois, tu vois, tu es venu pourquoi?
Tu dis quoi? Vous viens d'où? Quel pays? Vous... Cameroun. Ouais, au Cameroun. Moi, je suis au Mali. Comment? Malien. Ouais. Venez vous saluer seulement, non, sinon il n'y a rien de spécial, quoi, tu vois. Bonjour. Bonne chance, sinon après, non, merci beaucoup. Mais sans quoi. Au revoir. Mais en quoi ce soir? Salut. Ça va? Non, c'était juste pour dire bonjour. Vous avez rien d'intéressant à dire. Ouais. Lui, il avait rien d'intéressant à dire. Il voulait pas se faire tailler. Il a préféré partir. Allô, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va et toi? Oui, super bien. Comment a été ta journée? La caméra. Comment a été ta journée? Bien. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Moi, je me nomme Emmanuel et toi. Pardon? Il y a le bruit chez toi. Ah oui. C'est mon cas, c'est mon cas. Comment tu vas? Tu es dans quel pays? Cameroun. Tu demeures où? Au Cameroun? Ok, moi je vis en Côte d'Ivoire. Et demain en Côte d'Ivoire. Ok. Tu connais la Côte d'Ivoire? Non, je connais pas. Tu n'as pas encore visité la Côte d'Ivoire? Non. Ah d'accord, pourtant c'est un beau pays. Ah bon? Oui, c'est la Cannes s'est passée. Pourquoi la canne? Connais Eto? Oui, je connais Eto, c'est un Camerounais. Mais je parle de Didier, je parle de Didier Drogba, il a joué à Chelsea. Lui, C'est le footballeur de la Côte d'Ivoire. Bah oui. C'est une star. Qui remet des ballons d'or européens aussi. Il a quel âge? Bah, Dieu doit bien avoir. Il est dans les quarantaines comme ça. Hein. Mais il a la retraite, non? Oui. Il joue plus, il joue plus. Il veut devenir président de la Fédération ivoirienne. Donc, en ce moment, tu vis au Cameroun? Oui. Tu es en vacances, mon con? Non, je vis là-bas. Ah, tu vis au Cameroun. C'est normal de vivre en Afrique. Tu viens pour un peu de chaleur. Je suis né là-bas. Ah, tu es né au Cameroun. Ne Non. plaisante pas, toi. Ne plaisante pas. Non. Ok, tu as des enfants? Ah d'accord, donc je ne te dérange pas, j'espère. Attends, donc les enfants là, c'est dérangeant. Non, il parle de moi, il parle de moi. Si je ne te dérange pas. Mais tu me demandes si tu me déranges juste après m'avoir demandé si j'ai les enfants. Bah. Parce que vu mon âge aussi, c'est pour ça que je te demande ça. À quel âge?
J'ai 18 ans cette année. T'as 17 ans ou t'as 18 ans? J'ai 18 ans, je suis né en 2006. T'as eu 18 ans? Oui, le 2 mai, le 2 mai. Ok. Et toi? Tu me permets bien. Moi, j'ai 22 ans. Ah, on ne sait pas, hein? Hein? On ne sent pas que tu as 22 ans. Ah, on sent quoi? Bah, moi, je pense que tu étais dans les quarantaines comme ça. C'est qui lui? Il est fou. C'est ça qu'il a fait. 41. T'as qu'une idée. Salut. Salut. Excuse-moi, deux minutes là, je branche mon ring light là. Ça va? Mm-hmm. C'est une question là. Ça va bien? Oui, toi. Voilà. Ça va? Oui, et toi? Ça va? J'ai oui, vu le petit gars ivoirien qui te dérangeait. Oui, ça va, ça va. Tu me battes ou quoi? Trois fois, je te réponds. Non, c'est que c'est le réseau là. Mmh. Ok, tu as dit que tu es au Cameroun, c'est ça? Hein? Mmh. Mmh. Tu es au Cameroun. Voilà. Moi, je suis à Yaoundé. Ah. Bon, pourquoi tu me dis ça? Tu es où? Non, juste pour faire connaissance, non? Tu es ma soeur camerounaise, non? Ah, la fille derrière, c'est qui? C'est ma petite soeur. Elle me dérange beaucoup. Camerounais. Viens ici. Là-bas, si. Oh, viens. On dit que... Là-bas, si, elle me dérange beaucoup. Bonsoir. Salut. Tu t'appelles comment? Comment allez-vous? Hein? Elle me dérange beaucoup, hein. Comment allez-vous? Là-bas. C'est ça. Non, reste là, viens. C'est lui qui me chasse. Elle dérange mon life. C'est sa sœur ou sa copine? Sa petite sœur. Oui. C'est mon aîné. Mon frère. C'est mon frère aîné. Ok. Voilà. Tu as vu? Tu as vu, non? La connexion, papa. La connexion est compliquée. Hein. Ok, ça, tu dis que tu es. Oui, j'ai un problème. En fait, je suis sous la dalle, là, tu vois. Tu es où, Cameroun? Dans là. Ah, si jamais arrivé à Douala, il me faut arriver là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Je ne connais pas où se trouve. Non, en papa, fait, c'est je trop, connais la connexion est trop longue. Pardon. Règle ça. Salut Yo-Yo. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi? Non, ça va, c'est carré. Tifounette.
Comment passe ta journée? Tranquille, hein? Et toi? Ah ouais, idem, tranquille. Pourquoi tu fais la timide? Je fais pas la timide. Si tu montes, c'est parce que tu as quelque chose à dire, donc j'attends de voir ce que tu as à Ah, dire. ok, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Désolé, je vais juste t'admirer, t'admire beaucoup, t'admire beaucoup. Je vois tes différents posts que tu fais, tes lives que tu fais, je t'admire beaucoup. T'es ma caméra, je passe toujours même petit commentaire d'encouragement, toujours. Hein? Merci, c'est gentil. La fameuse tifounette. Tu as eu ta CENI? Comment? Tu as déjà eu ta CENI? Ta carte d'identité, ta carte d'identité. Non, je suis sans papier. Toi, tu es une fille du continent. On doit penser déjà à te donner tes papiers. Tu dois t'installer au continent. Tu en penses quoi? Attends, 2 secondes. Hein. Je suis désolée, je te descends, je veux pas que tu participes à ça. Toi, je vais te ramasser d'une manière. Attends, je bois une gorgée. Sais pas si tu viens ici parler de ta maman. Mais ça fait une demi-heure que tu me regardes. Que tu es là. Donc tu regardes les serpillères à table. Je te calcule tellement pas là que tu es obligé de mettre des trucs comme ça. Tu parles de ta maman. Tu parles de ta maman qui est la serpillière à table, qui t'a fécondé. Elle a fécondé avec. C'est une prostituée, elle sait même pas qui est ton père. Toi, tu viens ici dire serpillière à table. Tu me connais. Tu veux, je t'ai pas calculé, c'est ça. Regarde bien. Tu vois là, tout ce que tu viens faire sur le live des gens, tu es quelqu'un d'aigri, tu es quelqu'un de malheureux. Tu viens ici là, serpillière à table, tu es même pas poli. Les gens comme ça, toi tu es malheureux dans ta vie. Ton karma va t'attraper, tu viens ici là. J'espère que tu es pas croyant. Dieu va t'attraper. Abruti comme ça, en plus il a Twitch. Y a personne qui te donne de l'argent là-bas parce que t'es trop bête. Allez, bloqué, dehors. Merci, existence. Il rigole, il est bloqué. Oups. Les gens bêtes comme ça qui viennent que au oh, serpillière à tub. Il parle de sa mère. Doucement, comment? On vient me dire dans mon live serpillière à tub. Et je dois dire. Oh, mais non! Non! Abruti comme ça là! Bête! Jonah, c'est parce que t'es blanc et que je te calcule pas. Tu viens ici, tu me suis. Et tu viens ici que, oh, c'est parce qu'elle a pas de personnalité. Tu me follow, espèce de petit fan. Te calcule pas. Tu es un blanc frustré. Tu viens ici, ça te fait mal de voir qu'il y a une femme là. Tu me follow. Ouh, Jonah! Tu dis. Regardez, hein, regardez. Il me dit, je te follow pas. Ce qui est con, hein. Merde, on peut pas voir. Attendez. J'ai fait la capture. Il y a suivre en retour. Hé, Seigneur. Le gars me follow. C'est un fan. Ça doit être ma fille. Oh, parce que ma fille. Oh, donc ta fille m'aime bien. Moi. Mais si tu m'aimes pas, ne me regarde pas. Jonah, qu'est-ce que tu viens faire sur mon live? Que oh, elle a pas de personnalité. Mais ne me regarde pas. Si tu penses que j'ai pas de personnalité.
Wesh, elle est quoi, elle? Ta maman. Y a que les blancs, les français, là. Pour venir faire ce genre de truc. C'est un truc de ouf, hein, quand même. Regarde, tu diras à ta fille, Jonah, que... Elle pourra plus voir Tifounette. Parce que son papa est débile. Et que Tifounette a bloqué le compte de son papa. Voilà. Bisous. Explique bien à ta fille que t'es bête. Bloqué. Dehors. Doucement. Je vais très doucement. Fais très très doucement là. Il y a un truc bizarre là. Pourquoi? Je pense que ça bug. Ouais, ça bug. Il est quoi alors? Il est facochère. Il est facochère. Ouais. Non. Franchement, les gens, ils ont aucun... Chier. Je suis dépassée. Je suis rentrée en France, je tombe dans les pourtois des Français. Il y a des débiles qui arrivent sur mon live. Ben moi, j'ai pas le même compte que ma fille et ma pote. Merci. Je suis dépassée. Vraiment. La femme de qui? On te noxe bien au Vermont. Moussa, tu as des complexes. Tu ne gnoxes pas assez parce que t'es pas assez beau. Tu viens parler de gnoxage ici. Tu es complexé, tu es frustré. On t'accorde pas assez d'attention. Bonsoir, tout net. Bonsoir, mam. C'est Mme Diara. Oui, ça va? Ça va, je vais bien. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Oui, Mme, tu veux quoi? Bah, si fan de toi. Tu fais quoi, Mme Diara? Tu fais quoi? Hein? Absolument rien. Juste que je vois tes vidéos et voilà. Si je suis un fan de toi. Ça va, d'accord. Merci alors. Bonne soirée. Ok, merci. Faut pas se moquer de son français, c'est son accent. Elle parle très bien français. C'est juste qu'elle est sénégalaise, elle a l'accent. Ouais, s'il vous plaît, il y a des choses à dire quand vous faites vos demandes. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Voilà. Donc, c'était la Tifounette. Vous avez vu, hein? Comme les hommes sont entrés de la perturber. D'autres même sont montés dans les lives là seulement pour la provoquer. Voyez, donc je dirais aujourd'hui que on peut pas toujours être sérieux à tout moment là, insulter tout, sérieux là. Non, des fois aussi il faut des lives qui nous font rire, mettre le sourire sur le visage de quelqu'un parce que on ne sait pas si la personne traverse quoi dans sa vie. Voyez, on a tous des histoires. Au moment où je vous parle là, mon boss ne va pas trop bien. C'est pour cela que vous ne me voyez pas. Alors, je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Comme nos abonnés le savent. Voilà. Donc, pour moi, l'amour, ce n'est pas question de couleur. Ce n'est pas même question, je ne sais pas de quoi dirais-je là. Parce qu'on a été sous la toile ici. On a vu de je peux dire même des mamans même avoir une relation amoureuse avec
de plus jeunes, quoi. Donc, des plus jeunes, disons, des plus jeunes, je vais dire à partir de 18 ans, monter jusqu'à 20 ans, 20 quelques, pendant qu'ils sont mamans. Mais je dirais aussi de l'autre côté que, par respect, on a vu aussi des histoires ici chez nous, chez Léo Stress, là où le respect a été déplacé. Parce que nous, les femmes, là, comme nous sommes femmes, là, c'est nous, là, notre corps devrait être protégé devant quiconque, qui n'est pas ton mari, si ce n'est pas ton mari, là. Alors, pour jeune fille, pour maman, pour femme, hein, ton corps, là, devait être bien protégé jusqu'à ce que tu tombes sur ton gars qui va te marier. Ne pas te montrer ton corps, là, à n'importe qui. Parce que pourquoi? C'est nous, là, on donne naissance. Et c'est nous, là, quand notre corps est exposé dehors, on nous manque de respect. On a des histoires ici. On n'a pas besoin de vous citer le nom de la personne pour que vous sachiez très bien si on parle de qui. On a vu le respect se déplacer ici. On a vu le petit gars. Le petit garçon insultait quelqu'un qui peut être sa maman. Pourquoi? Parce que sa maman, parce que la femme là avait comme copain son ami. Voyez. Voyez. Bon, deux fois ça marche, deux fois aussi par respect, il faut qu'on se respecte. C'est très mieux toujours que l'homme soit un peu plus âgé que la femme. Hein? C'est là, ça marche très bien. Mais quand l'homme est moins âgé, comme le gars là qui a 18 ans, l'année c'était 2000, c'est 2000 combien là? Hein? Avec une personne comme Tiffnette. Non. Ça, souvent même là, ça marche pas trop. Hein, je ne dirais pas que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des relations ici. Il y a des relations ici. Il n'y a pas quelque chose ici sous la terre ici qu'on dit que ça n'existe pas. Ça, tout existe même. Tout existe. Mais on donne valeur au minimum ou bien au maximum. Vous voyez? On ne peut pas dire que non, il n'y a pas un couple sous la terre ici dont l'homme est moins âgé que la femme et ça ne marche pas. Non, il y en a des couples. Il y en a des couples que l'homme est plus moins âgé que la femme. Et puis, c'est comme ça, leur love. Hein? C'est parti comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément, lourdement à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs. Malgré tout, nous sommes ici depuis une année, mais ils sont ici à nous guetter devant nos portes, devant nos fenêtres, devant nos trous de la maison. Ça fait rien, c'est Dieu seul qui vous voit et c'est Dieu seul qui va vous poser des questions. Pourquoi vous nous insultez ici? Pourquoi vous nous jetez de pierres? Mais vous êtes seulement des passages. Vous n'êtes pas gentil, hein? Vous n'êtes pas gentil, c'est moi qui vous dis, vous n'êtes pas gentil. Et aussi, on remercie les nouveaux venus, c'est vous là même. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elio Stress, de cliquer sur la cloche de notification. D'ailleurs, tout le monde ici, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Hein? Vous n'allez plus couper le travail, vous n'allez plus arrêter de conduire comme on disait l'année passée. Il faut arrêter de faut parquer quelque part. Non, au jour d'aujourd'hui, là, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez seulement descendre votre écran de votre téléphone. Là, vous allez voir notre notification. Et là, et puis vous appuyez sur ça, là. Ça vous amène jusqu'à la nouvelle vidéo. Alors, tout le monde, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Commentez très gentiment nos vidéos. Je suis désolée encore une fois, encore de plus pour mon français que je ne parle pas bien là. Je suis désolée pour ça et mais j'ai pas besoin des insultes. J'ai fait mon effort pour nos très chers abonnés qui sont ici. C'est là que je m'efforce de parler le français, les broken français que moi je parle ici. Depuis que moi je parle anglais ici, j'ai pas vu quelqu'un venir me corriger oh. Hein? Mais le français là, je suis désolée. Alors, merci à tout le monde. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Jusque-là, que vos gros bisous. Enjoy your weekend. On se retrouve tous ensemble à la prochaine épisode. Bisous, bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.